Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler parfum. Donc pour celles qui me connaissent savent que j'adore le parfum. Et là j'ai découvert une marque de parfum. Donc ça s'appelle mes parfums préférés. Donc je vous le dis tout de suite, c'est des parfums que j'ai reçus gratuitement. Donc merci encore une fois à Xavier de m'avoir fait confiance pour m'envoyer ces produits là. J'en suis super contente. Donc pour faire rapide, c'est des parfums qui on va dire sont des dupes. Même si c'est pas trop le mot... à employer de grandes marques, enfin qui ont la même famille olfactive de grandes marques et qui sont vraiment très très ressemblants, enfin moi je trouve, et j'en ai parlé avec Mel donc de la chaîne Happy Together 17 qui trouve également que ça ressemble énormément. Donc ces parfums là sont fabriqués en France, ils sont au prix de 14 €, donc je vais vous montrer le flacon etc etc. Donc c'est des parfums qui font 100 ml. C'est quand même une assez grosse contenance, on est d'accord. Et il y a 14 fragrances de parfums sur leur site. Donc moi j'aime beaucoup la présentation du site, je trouve que c'est simple. C'est voilà, c'est super simple, ça explique très bien, il n'y a pas besoin de plus. Donc chaque parfum a un nom et pour savoir de quelle famille olfactive ça correspond, vous avez un lien qui va sur une page YouTube où vous avez justement le nom du parfum de mes parfums préférés. Qui est le nom du parfum vendu dans les parfumeries, tout simplement. Donc c'est super facile de s'y retrouver. Donc avec, donc j'ai reçu ça déjà dans un petit carton comme ceci, donc super bien emballé. Hein. Hop. À l'intérieur, on avait donc 3 feuilles. Je sais pas si c'est envoyé à tout le monde ces feuilles-là, mais je pense que oui. Donc vous voyez, c'est super bien fait, quoi. Hop. Donc voilà, là ils expliquent que c'est des parfums made in France. Donc il y a 80% des éléments composant les parfums qui sont fabriqués en France. Il y a juste le capot et le spray qui sont fabriqués en Italie. Donc vous voyez, il n'y a rien de made in China, tout ça là, c'est que du français. Et ça je trouve ça pas mal du tout. Donc l'entreprise est basée en Haute-Garonne et elle a été créée en 2015. Voilà, j'ai commandé 3 parfums. Donc on reçoit ça dans une enveloppe bulle comme ceci avec le nom qui est écrit ici. Bon moi j'ai déchiré ça comme un bourrin. Hop, je vous enlève ça. Donc la boîte de parfum est comme ceci, donc noire, très sobre, j'aime beaucoup, avec le petit Made in France derrière. Et voilà, vous avez le nom qui diffère sur chaque boîte. Donc là en l'occurrence c'est le Neuville. Hop. La bouteille se présente comme ceci, donc je vous rappelle que c'est des bouteilles de 100 ml. Qui coûte que 14 €, donc franchement c'est vraiment donné. J'aime beaucoup la bouteille, elle est très très sobre, enfin j'aime beaucoup. Donc le Neuville, ça correspond à la même famille olfactive que le Coco Chanel, le Coco Mademoiselle de Chanel, pardon. Et c'est un parfum que j'avais étant plus jeune et que j'adorais, et pour le coup, bah ça sent vraiment ça quoi. Je suis vraiment choquée, ça fait vraiment plaisir de retrouver cette odeur là, parce que ça faisait un moment que j'avais pas acheté ce parfum, et j'adore. Donc là, je les ai reçus il y a une petite semaine maintenant. J'attendais de bien pouvoir les tester pour vous en parler. Donc j'ai testé, je les ai testés. Pour la tenue, je trouve qu'il tient super bien. Moi, j'en mets le matin et je continue à le sentir sur moi. Donc je trouve qu'il tient super bien. Donc je suis super contente de celui-ci. Donc je vous le dis, c'est Coco Mademoiselle de Chanel. De toute façon, si vous voulez commander, vous avez le lien sur le site qui vous amène sur la page YouTube pour avoir la famille olfactive. Donc là, on a le Sampola. Donc celui-ci, c'est mon préféré. Vous voyez, il a commencé à bien descendre. Donc c'est donc il fait partie de la même famille olfactive que le Lolita Lumpica. Et pareil, je l'adore. Ça fait un moment que je ne l'avais pas acheté. Donc c'est des parfums que je connais. Et ça sent vraiment ça, quoi. C'est impressionnant. Et j'adore, vous voyez, j'en mets souvent sur mes foulards, mes écharpes. Et là, si je les prends, ça sent encore l'odeur. Donc, comme quoi, ça reste bien. Et le dernier, donc j'ai pris le Don Cherry, qui est de la même famille olfactive que le Chalimard de Guerlain. Donc, en fait, c'est un parfum que je ne connaissais pas. Et j'avais envie de le tester parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Et il ne me correspond pas du tout. Donc, pas qu'il sente mauvais, c'est juste que c'est pas du tout les odeurs que moi, j'aime porter. Je trouve que ça fait un peu plus mature, en fait, pour les femmes plus matures, tout simplement. Après, c'est un parfum qui fait très classe, je trouve. Ouais, c'est. Enfin, pour celles qui connaissent, voilà, je pense que ça correspond vraiment au Chalimard. Mais voilà, pour moi, c'est une odeur peut-être un peu trop mature.
Donc voilà. Donc pour celui-ci, ce que je vais vous proposer, c'est de le gagner en concours. Donc je vais le mettre sur mon Instagram. Et puis je vous le ferai gagner puisque moi je ne le porterai pas. Et comme ça, je pourrai faire découvrir à une de vous. Donc voilà, celui-ci sera à gagner sur ma page Instagram. Donc voilà pour cette petite revue de parfums. Franchement, j'adore ces parfums. C'est pas parce que c'est un partenariat que je vous dis ça, parce que je pense que je vais en commander d'autres. Je sais qu'il y a La Vie est Belle et La Petite Robe Noire qui sont en ce moment très convoitées. Moi, je les ai pas pris parce que je les ai déjà. Donc je voulais prendre des fragrances que j'avais plus l'habitude de sentir mais que j'avais déjà eu et je suis super contente. Donc encore une fois merci à Xavier pour l'envoi de ces trois parfums, je suis super contente. Et puis là c'est peut-être un peu trop tard pour les cadeaux de Noël, pour faire des cadeaux à petit prix, je vous invite à aller voir le site parce que ça vaut vraiment le coup et il y a vraiment pas mal de fragrances, donc c'est top. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça donne des petites idées cadeaux, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !